Digital Factory répond à de nombreux besoins que l'on retrouve chez l'ensemble de nos clients aujourd'hui. Notamment, par exemple, le développement de nos nouvelles ressources de création de valeur et faire évoluer les modèles. En levant les barrières technologiques, méthodologiques et culturelles, en faisant la preuve opérationnelle que les méthodes et les technos qu'on utilise fonctionne, ça permet à cette entreprise de se réinventer. Notre Digital Factory a été créée il y a 2 ans à l'initiative de la Direction Générale. Elle compte aujourd'hui 15 de collaborateurs. Nous aidons l'équipe produit à fonctionner, à entreprendre avec un esprit start-up qui est un esprit caractéristique pour aller directement à la création de valeur. On appelle ça l'incubation d'équipe produit, ce qui leur permet de lancer en quelques mois la première version de leur produit. Cette équipe a la responsabilité ensemble de construire le produit. C'est-à-dire que les hiérarchies doivent s'effacer en donnant la priorité à la création de valeur pour le produit. Le fait de réunir dans un lieu métier et développeur, oui, c'est quelque chose de nouveau. On va s'appuyer aussi sur le feedback des utilisateurs. Et ça, c'est un changement notable avec les Digital Factory. On met tout le monde autour de la table. Sécurité, conformité, développeur, métier, designer. Et on travaille tous ensemble pour accélérer la réussite du projet. Ce que Talent a apporté très particulièrement, c'est ses valeurs de coopération, de confiance, et nous a appris à désapprendre de manière à nous reposer les questions de pourquoi on faisait les choses, comment on se focalisait sur la valeur créée pour le client. Nous avons réalisé 10 de produits depuis le lancement de la Factory. Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la confiance des équipes et la confiance des dirigeants. Donc la Digital Factory est un outil à disposition de la banque pour permettre la transformation culturelle nécessaire à la transformation digitale dans laquelle la banque est engagée. Le résultat, c'est qu'on fait bouger les lignes de l'entreprise par la preuve opérationnelle et on va l'aider ainsi à se réinventer.